والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل أخوات الفضليات فايسو الإسلام شاودي توديتريس شاتيلي سبيكتاتور تيلي سبيكتاتريس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous voilà dans cette assise de la rencontre de la grande mosquée de Paris. On a commencé la semaine dernière, on a parlé d'un sujet qui est très important dans la vie de chaque musulman. On a parlé du Coran et on a dit que c'est la parole d'Allah. J'avais comme invité la semaine passée, le professeur Samir Bouzid, professeur à l'Institut Al-Ghazali pour la formation des imams. Il est toujours en ma présence aujourd'hui dans la continuité de notre rencontre. Notre cheikh et ustad Samir, marhaba, ahla wa sahla bik. Ahla wa sahla, cheikh Khalid, salam alaykoum, rahmatullahi wa barakatuh. Que le salut d'Allah et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur nos frères et nos sœurs. Je vous remercie pour cette invitation encore une fois. جزاكم الله خيرا. شكرا شيخنا. شيخنا الفاضل تحدثنا ختمتم آخر اللقاء قلتم أنه إذا أراد المسلم الشاب المسلم والشاب المسلم هنا في فرنسا أن يقرأ القرآن يحبذ يقرأ ولكن إذا أراد الفهم يجب أن يرجع إلى شيخ إلى إمام إلى أستاذ. طيب. Donc on a dit que, Cheikh Nafadl, la dernière fois, on a clôturé notre assise avec si vous avez demandé aux jeunes d'aller de retour, de revenir vers le Coran al-Karim, d'aller vers la parole d'Allah, ils lisent, ils méditent, sauf que pour avoir l'exégèse ou la compréhension d'un tel ou tel verset, il va vers un savant, vers un cheikh, vers un imam, vers quelqu'un qui a ce savoir-là, vers quelqu'un qui a fait des études, par exemple, comme vous. Maintenant, si moi, Cheikh Na, je suis... et je en lisant le Coran, vous m'avez demandé de lire, je passe devant un verset par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu, donc Allah Azza wa Jalla yatakallam ma'i, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, kana yatawqaf 'inda kulli ayya, Ya ayyuhalladhina amanu, yatawqaf yaqul ya rabbi bima ta'muruni. Donc si moi je m'arrête devant, oh vous les croyants, craignez Allah d'une crainte révérentielle. Ittaqullah haqqa tuqati. Cheikhna, ana afham anno ana muslim, usalli khams salawat, u'min billah azza wa jalla bi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Fa yatlub min Allah azza wa jalla ittaqullah haqqa taqwa. Kayfa ana afham al-aya? Comment je peux la comprendre, Cheikhna? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup encore une fois, Cheikh Khaled. Alors on a dit la dernière fois dans notre rencontre que on ne peut pas comprendre le Coran al-Karim sans avoir être orienté par un cheikh, un imam, un savant, un enseignant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal, a fait descendre le Coran sur lui, mais il avait un mu'allim, un cheikh, c'était l'ange Jibril alayhi assalam. Et de son tour, le prophète est devenu l'enseignant de ses compagnons. Et ainsi de suite, génération par génération, on a toujours apprendre le Coran al-Karim par l'orientation et l'enseignement des chouyours. Alors, c'est pour ça que j'ai conseillé nos jeunes et tous les concernés, tous ceux qui veulent comprendre le Coran al-Karim parmi les musulmans, d'être orientés, de demander l'aide, de demander la compréhension, l'explication par des chouyours. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si on lit par exemple un verset comme ce que vous avez lu tout à l'heure, « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih » وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Alors si on lit seulement ce verset, surtout si on lit la traduction d'une autre langue, française ou autre langue, ça change, ou bien on peut s'éloigner
du sens original, et non seulement du sens original du verset, on ne peut pas comprendre comme ça, avec notre simple lecture, Al-Qur'an al-Karim. Pourquoi ? Parce qu'on doit avoir cette compréhension par un expert, par un enseignant, parce qu'il y a d'autres versets qui parlent de ce sujet-là. Il y a des interprétations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des exégèses, des savants qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, par exemple, pour ce verset, ittaqullah haqqa tuqatih, il y a d'autres versets qui, si on rassemble les autres versets, on peut avoir le sens complet. Et ça, le simple croyant, le simple musulman, le jeune musulman ne peut pas avoir sans être enseigné par une aide. Il a besoin surtout d'une aide. Alors, il y a d'autres versets où Allah Azza wa Jal nous montre comment on doit le craindre, le craindre subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ittaqullaha mastata'tum, craignez Allah subhanahu wa ta'ala selon votre capacité. On a aussi un autre verset, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal ne donne pas des ordres sur la surcharge de l'être humain. Alors c'est pour ça, et on voit, par exemple, à nos jours, on voit les mazahir, عندما يتعلم الإنسان القرآن لوحده كيف يعني on voit les actions, les conséquences, oui, le radicalisme, on voit l'égarement qui se produit, l'éloignement du vrai sens, l'éloignement du juste milieu de Coran et de la religion. Et parmi les causes principales de ça, c'est seulement lire comme ça et ne pas demander aux experts, aux shuyukh, aux imams de nous faire comprendre le Coran. D'où l'importance de la formation des imams à l'Institut Razali, par exemple, les futurs imams qui vont prendre le relais, qui vont se trouver dans des mosquées pour répondre aux jeunes. Non seulement la formation d'imams qui va accéder à un poste, Inch'Allah, à partir de la promotion de l'Institut Razali. Donc il sera francophone, il va prêcher en arabe et en français. Donc il peut répondre un petit peu aux attentes des fidèles. Oui, et vous avez cité aussi, il faut apprendre aussi la langue arabe, ça c'est un plus et c'est bénéfique pour les musulmans, pour s'enrichir et avoir une plateforme de connaissances assez large. On ne peut le comprendre qu'en arabe. La traduction, souvent on dit la fameuse phrase « traduire, c'est trahir ». Oui, oui. Mais on traduit le sens. On arrive là, Cheikh, à un point très important où on peut vraiment voir les choses très clairement. Alors, d'une part, on ne peut pas comprendre le Coran, la bonne compréhension, la compréhension complète, la compréhension qu'il se doit, sans avoir être guidé par un cheikh. Et la question devient, ou bien la problématique devient plus dure si on ne peut pas accéder à le Coran al-Karim par la langue arabe. Alors, pour celui qui n'a comme outil que la langue française, alors les choses deviennent plus compliquées. Parce que c'est dur à comprendre. Déjà, même si on est arabophone, si on connaît lire le Coran, on ne peut pas méditer, on a du mal à comprendre. Alors, si on est encore, on n'a pas l'outil de la langue arabe, alors on doit, et c'est pour ça on a dit, et c'est que ce que vous venez de dire, il faut former des imams qui peuvent transmettre la connaissance, le savoir de la religion musulmane vers les autres. Et la mission de l'islam, c'est quoi ? La mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de transmettre le Coran. Le principal rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme était évoqué dans le Coran al-Karim, huwa alladhi ba'atha fi l'ummiyina
رسولا منهم هو ça veut dire Allah subhanahu c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé parmi les ummiyin بعث في الأميين il a envoyé un messager pour les guider. Qu'est-ce qu'il fait ce messager là? Allah azza wa jal nous donne exactement le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitab wal hikmah. Il récite les versets, il leur purifie et il leur enseigne la sagesse et le savoir. Et donc, c'est pour ça, on doit sûrement, si on veut vraiment avoir une communauté qui est compatible d'abord avec sa religion, qui est compatible avec le message de juste milieu de l'islam, il faut former des imams bien sûr francophones, qui peuvent transmettre le savoir au grand public francophone, et par ça seulement qu'on peut vraiment avoir un islam qui représente vraiment le juste milieu, la sagesse de l'islam, la paix de l'islam, le vrai visage de l'islam. Barakallahu fi shani. Et madame na fi al-Qur'an ou l'importance du savoir et d'aller chercher le savoir, l'importance surtout de méditer sur le Coran, de le mettre en pratique. Donc le Coran, non seulement c'est un code, c'est un mode de vie pour chaque musulman, il lui apprend de la petite chose jusqu'à la plus grande. Donc le Coran, le Karim, Cheikh Nalfadu Sana, il a certaines caractéristiques. Mais il a t'haddattum an ba'd khasa'is al Coran, le Karim. Et donc, parmi les caractéristiques du Coran, le Karim, on trouve également le Coran. Et d'abord est qualifié comme maw'idha, exhortation. Le Coran, c'est une exhortation venant de notre Seigneur Allah, le Créateur subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il constitue une invitation au bien et à la vérité et un appel au rejet du mal et de la fausseté, et ce par le biais d'une formulation équilibré qui combine l'encouragement et la mise en garde. Alors, le premier caractéristique de l'Qur'an al-Karim, c'est que c'est une exhortation. Alors, si on veut du bien, on trouve les clés du bien dans l'Qur'an al-Karim. Si on veut éviter le mal, on peut aussi trouver les clés pour éviter le mal dans l'Qur'an al-Karim. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim « Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam » Ce Coran, il nous guide vers tout ce qui est bien pour nous. La deuxième caractéristique du Coran al-Karim, c'est que le Coran est présenté comme étant un moyen de guérison. Un moyen de guérison. Pour ceux qui peut affecter le cœur, les doutes, les croyantes déviantes, l'ignorance, les maladies spirituelles, orgueil, ostentation, etc. Et lorsque le cœur est guéri, les actes accomplis par les organes externes ne peuvent qu'être saints. C'est pour ça que nous connaissons tous, et beaucoup de musulmans connaissent, le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna fil jasad mudgha idha salahat salaha al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb. Il existe dans le corps humain un bout de chair. Ce bout de chair là est le principe de tout bien. S'il est bon, alors tout le reste serait bon. Et si le mauvais, tout le reste serait mauvais. Alors pour le troisième caractéristique du Coran al-Karim, alors le Coran constitue également un guide qui conduit vers la certitude. Le Coran yahdi ila al-yaqin. Et vers le droit chemin, as-sirat al-mustaqim.
Alors celui du succès dans cette vie présente et dans l'autre, celui qui étudie et médite le grand livre de la création en suivant la grille de lecture qu'énonce le Al-Qur'an al-Karim, ne pourra que parvenir la conviction de l'existence du Créateur parfait et sa soumission. Alors si on parle ici de la soumission, ce n'est pas n'importe quelle soumission. C'est une soumission que quiconque ne peut pas s'échapper. Est-ce qu'on peut s'échapper de la mort? Non. Malgré si on est athée, malgré si on ne croit pas au Al-Qur'an al-Karim, est-ce qu'on peut s'échapper de la mort? Tout le monde va y rentrer. Alors c'est ça qui explique la soumission. Alors ceux peut-être qui sont contre cette notion, la soumission, mais si on veut vraiment être libre dans la soumission, comme dit nos ulama, rahimahumullah, idhan al-hurriya fi nihayat al-ubudiyya. Idhan indama yakun al-insan ta'i'an lillahi subhanahu wa ta'ala, yakun hurran wa yakun kariman bi fadli Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette certitude, comment on peut l'avoir? On ne peut l'avoir que par Al-Qur'an al-Karim. Et cette vérité-là, ils la connaissent bien, ceux qui ont goûté le délice du Qur'an al-Karim. Alors pour le quatrième caractéristique du Qur'an al-Karim, Al-Qur'an est une miséricorde pour les croyants. Est une miséricorde pour les croyants, c'est-à-dire ceux qui l'auront pris pour guide. Et c'est pour ça, et même ceux, moi je dis, non pas ça, mais même ceux qui ne prennent pas une position contre le Coran. Parce que parce que les gens, surtout ceux qui ne sont pas nés musulmans, qui ne connaissent pas l'islam, qui ne connaissent pas le Coran, alors si au départ, ils ne prennent pas une position contraire au Coran al-Karim, ils peuvent avoir cette miséricorde. Et absolument, pour les croyants, on peut totalement avoir cette miséricorde par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, cette miséricorde touche tout le monde. Barakallah fik. ولكن ككل مرة الوقت يداهمنا. donc je voulais poser une question mais je la laisse, je préfère pour la prochaine rencontre inshallah. Madame تحدثت عن القرآن وخصائص القرآن وأهمية القرآن. نرجع دائما لسؤال أختم به. هو شيخنا شباب هنا في فرنسا. هجرهم للقرآن كثير وكبير. وإحنا على رحاب شهر القرآن وهو شهر رمضان. فأريد منكم توصية وصيتين للشباب بإذن الله حول القرآن. إذن أمخي الله سبحانه وتعالى كي نجيد توس إي كومخي نو جون فيغ القرآن الكريم. باسكو القرآن الكريم سيت إن لوميير. القرآن الكريم سيت أن أبيزمون. صح. القرآن الكريم سيت إن ستابيليتي سبيريتويال. Et stabilité dans notre vie généralement. Alors c'est pour ça, et nous sommes pas loin du mois du Coran al-Karim, le mois de Ramadan. Nous nous invitons tous, y compris nos jeunes, à retourner vers le Coran al-Karim. N'est-ce que avoir un lien avec le Coran al-Karim? Alors, parmi les traditions de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, alors ils sont toujours en relation avec le Coran al-Karim. Alors, cette relation, c'est le secret de leur victoire dans la vie. Je ne parle pas de victoire militaire, mais de victoire sociale. La quiétude, l'apaisement du cœur. L'apaisement, la spiritualité, la stabilité sociale. Alors, le bonheur dans la vie. Alors, on s'invite tous à être liés avec le Coran al-Karim au moins une page par jour. Une page par jour. Il n'est pas obligatoire, mais celui qui peut faire mieux, alors qu'il. Il avance encore. Et puis, il a fait le yatanafasi. Mais vraiment, vraiment et sincèrement,
Le Coran, c'est comme l'oxygène. Est-ce qu'on peut vivre sans oxygène? Je ne crois pas qu'un être humain peut dire qu'on peut vivre sans oxygène. Alors, au moins une page par jour, on la lit, on essaie de comprendre. Surtout, on retourne vers un imam, l'imam de la mosquée, pour expliquer, pour avoir plus d'explications. Et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on disait toujours, celui qui pratique la chose qu'il a appris, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore plus de savoir. Barakallahu fi shukran. Inch'Allah yakul lana liqa'at ukhra bi idhnillah lana nantahi ba'd. Jazakallahu 'anna kulli khair, nafa'allahu bikum wa minkum. Nos chers téléspectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, voilà la fin de cette rencontre. Inch'Allah que Allah vous bénisse, que Allah guide vos pas. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yahfadna wa yahfad ahlina wa yahfad kull al bilad bi idhnihi al wahid al ahad. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yunawwir qulubana bil Qur'an inshallah innahu ala kulli shay'in qadir. Inshallah tabaraka wa ta'ala an yahfadna min qablina wa min ba'dina wa amamina wa min khalfina. Nasallahu tabaraka wa ta'ala al janna lana wa ahlina wa dawina wa li kulli al ibad innahu ala kulli shay'in qadir. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine fois, à la semaine prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.